Hello les amis, ici Olga Mbani, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour vous parler de Golden Farm. Alors, c'est quoi Golden Farm? Golden Farm, c'est une opportunité de business qui vous permet de gagner de l'argent en jouant avec des oiseaux. Alors, de quoi il est question? Il est simplement question, n'est-ce pas, après inscription, de choisir. C'est-à-dire, si vous êtes en mode gratuit, croyez-moi, jamais vous ne gagnerez quelque chose. C'est-à-dire, avec Golden Farm, en fait, il s'agit d'acheter les oiseaux. Buy egg, buy bird. Donc, il s'agit d'acheter les oiseaux. Vous pouvez voir là que chaque oiseau a un coût et produit un certain nombre d'œufs par heure. Ce sont ces œufs-là qui seront vendus et échangés contre des pièces d'argent. Et donc, qui seront retirés sous forme de dollars, comme vous pouvez le voir. Et pour bien gagner avec Golden Farm, je vous recommande juste un minimum d'investissement, même si c'est de 5 ou 10 dollars, pour tester et vous-même, vous verrez des résultats. Voilà, vous pouvez voir les différents oiseaux que j'ai. Voilà, j'ai le Super Bird. Ce Super Bird ne s'active que lorsque vous avez soit un oiseau rouge, Red Bird, ou un King Bird. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la mini présentation. Alors, si vous voulez recharger, c'est-à-dire vous voulez investir, c'est vous cliquez juste sur Replish Account. Vous pouvez traduire votre navigateur en français, ce qui vous arrange. Voilà, vous choisissez votre mode de paiement. Vous pouvez voir ici que vous avez divers modes de paiement, payeur, ADV Cash, Visa Card. Sachez que par Visa, ça vous coûtera plus cher. Voilà. Et vous avez un avantage ici, c'est que lorsque vous rechargez des dollars, par exemple, si vous rechargez 10 dollars, vous avez, on va zoomer un peu, voilà. Lorsque vous rechargez 10 dollars, vous avez plus 100% en fait, donc de bonus à la recharge. Donc, ce qui vous fera peut-être que vous pouvez voir là, vous aurez 113 900 silver coins. Donc, 133 929 silver coin. Donc, ça signifie qu'avec 10 dollars, vous pouvez acheter déjà un oiseau brun, je crois. Oui. By bird, si on revient là pour voir les prix des oiseaux. Vous pouvez acheter un bleu oiseau, voilà. Lui, il coûte 37 000, donc, parce que, voilà. Il coûte 37 500. Un bluebird, ou alors vous mettez même un truc comme 12 dollars pour acheter une fois un redbird et pour pouvoir vous débloquer, n'est-ce pas, votre super bird aussi. En même temps, n'achetez pas les oiseaux juste pour les acheter. On achète les oiseaux en fonction de leur productivité. Alors que d'acheter 10 oiseaux bleus, il vaudrait mieux acheter même 3 oiseaux rouges qui vous produiront mieux que plus que 10 oiseaux bleus. Donc déjà, vous pouvez voir là mon solde de compte, ce que je peux retirer. Alors avec Golden Farm, sachez que dans ce que vous gagnez, 30%, vous pouvez les retirer, vont dans le solde de retrait. Et les 70% vont dans le solde de réinvestissement, ce qui est très bien. Ça signifie que plus de temps passe, plus vous gagnez, plus aussi. Alors, lorsque vous avez fait cela et que vous avez investi, comment faire? Vous venez dans Egg Warehouse. Vous venez dans Egg Warehouse pour collecter vos œufs. Voilà. Vous collectez vos œufs. Faites collect all. Quand vous avez collecté les œufs, après la collecte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans sell. Dès qu'on finit de collecter, on part dans egg selling. Donc, vous allez venir vendre vos œufs. Voilà. Vous venez vendre vos œufs. Et vous pouvez voir là, il est clairement dit que 70% vont dans le compte de réinvestissement et 30%, vous pouvez les retirer. Donc, je mets le sell. Et vous verrez le nombre, voilà. Vous pouvez voir le nombre de coins. Et ce n'est pas beaucoup parce que j'avais déjà fait la transaction en journée. Maintenant, autre information. Ce que vous devez savoir, c'est qu'avec Golden Farm, pour retirer, il faut avoir de l'or. Ça dit quoi? Certaines personnes ont souvent des blocus où on dit
vous n'avez pas suffisamment d'or pour faire un retrait. Peut-être vous avez investi juste 10 dollars, 1 dollar, je ne sais pas moi, parfois même pas. Vous n'avez pas suffisamment d'or. Pour avoir les pièces d'or, il faut parrainer. Pourquoi parrainer? Ça signifie quoi? Quand vous avez droit à un certain nombre d'investissements, c'est-à-dire si vous voulez retirer 10 dollars, vous devez avoir 10 pièces d'or. Alors, on va essayer de voir ici dans mon compte le nombre de pièces d'or que j'ai. Il va aller dans Gold. Dans Gold, vous pouvez voir que j'ai ici 83 pièces d'or. J'ai ici 83 pièces d'or. Donc, ça signifie que je ne peux retirer que 83 dollars. Alors, donc les 83,39 pièces d'or que j'ai signifie que je ne peux retirer que 83 dollars. Alors, juste pour vous montrer que ça marche, je vais le faire. Je vais mettre un montant qui équivaut même à 83 dollars ou 80 dollars, juste pour vous montrer que ça paye. Donc, déjà, le mode de paiement que je vous recommande ici, c'est payeur, parce qu'avec payeur, le minimum de retrait, c'est 0,04 dollars. Même si on ne sait pas ce qu'on fout avec 0,04 dollars. Mais bon, avec Perfect Money, le minimum c'est 29 dollars. Ça signifie que moi ici, je peux directement retirer les Perfect Money, mais non, je préfère retirer souvent en payeur. C'est moins coûteux en frais. Voilà. Vous recevez exactement ce que vous avez demandé à retirer. Vous pouvez aussi utiliser les autres modes de paiement de retrait, hein, chacun à son minimum. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est juste que je vais copier. Je vais copier mon. Mon P ici. Huit cent quatre-vingt-dix-sept, cinquante et un, quatre cent quatre-vingt-treize. Voilà, rassurez-vous que c'est bien votre adresse. Voilà, donc j'ai mon P 897 514 93. Voilà. Et maintenant, vous renseignez le montant que vous voulez retirer. Donc, ici, vous voyez le minimum, ici, c'est 387. Moi, je veux retirer, ici, j'ai combien? J'ai pratiquement 1 million 200 et quelques. Donc, si je mets 1 million, voyons voir, en fait, moi, mon objectif, c'est de retirer 80 dollars. Mon objectif, c'est de retirer 80 dollars, donc. Je vais mettre même 800. 800 000, non, c'est beaucoup, c'est 103. Parce qu'actuellement, là, j'ai 130 et poussière, c'est 131 dollars. Les 1 million et quelques, j'ai, c'est 131 dollars. Donc, je vais mettre 500 000. C'est 64 dollars, non, je peux mettre plus. Donc, je mettrai 700 000, c'est 90. Donc, je mettrai 665, 650 000. C'est 83,94, un peu plus que ce que j'ai. Donc, 649 000. Donc, je mettrai 640 000, tout simplement. Voilà. Donc, 640 000, voilà ce que ça fait. Donc, 82 dollars. Voilà. Not enough gold, ça signifie que le montant est plus que. Donc, on va faire 80 dollars, donc 600 000. Voilà, on va essayer avec ça. Donc, on va essayer avec ça. Voilà. Donc, vous voyez, successful paid. Donc, je viens de faire mon retrait de 77 dollars, que vous pouvez voir, et je vais recevoir généralement à la minute
c'est crédité dans le compte. Donc, vous voyez là, je viens de faire mon retrait. Donc, ça marche toujours, Golden Farm, pour ceux qui doutent encore, vraiment, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ne doutez plus. Et je vous ai déjà donné le secret pour ceux qui ont leur retrait bloqué. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans... On va aller dans payeur pour vérifier mon paiement. D'accord? Ok, donc là, on peut voir... on va aller dans l'historique. Donc, vous pouvez clairement le remarquer. J'ai bel et bien reçu mes 77,49$, même pas un cent à moins. Donc voilà, j'espère que après cette vidéo, vous allez vous lancer massivement dans Golden Farm. Je rappelle qu'il paye depuis déjà plus de 6 ans. Donc, surtout, si vous, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et je laisserai le lien du groupe Golden Farm en commentaire. Donc, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo à tout ce dont ça sera, à tout ce dont tous ceux qui peuvent en avoir besoin, quoi. À très bientôt.